ça veut dire d'abord que la sécurité sociale est en déficit et que la situation n'est plus tenable. La seconde chose que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part de ce qu'on appelle les complémentaires santé qui complètent le remboursement de l'assurance maladie, pour faire simple. Et cette part-là, elle doit aussi être régulée. Et lorsque François Fillon propose une agence de régulation des complémentaires santé, ça veut dire qu'il veut s'intéresser à cette question, et notamment sur le coût de la complémentaire santé pour les familles. Troisième élément, il l'a dit et il l'a redit, le principe de la sécurité sociale pour François Fillon, c'est une sécurité sociale qui protège véritablement tous les Français et qui les protège bien. Voilà.